Bonjour, je suis Zoé Arnaud et j'ai développé le projet Vos examens génétiques. Il y a peu de temps, j'ai assisté aux explications de ces examens par un médecin et je me suis rapidement sentie perdue. En discutant avec des patients, j'ai pu constater que eux aussi sortent déboussolés de la consultation. Il y a beaucoup d'informations et ils ne comprennent pas toujours pourquoi cela prend autant de temps. Cela peut générer de l'inquiétude. Pour les apaiser, j'ai voulu créer un dispositif qui leur permet de comprendre le parcours qui les attend. Il y a d'abord le FISH. C'est une coloration du noyau permettant de mettre en évidence certaines paires de chromosomes. On trouve également le karyotype. C'est une façon de ranger les chromosomes par paires pour faire apparaître les anomalies. L'ACPA, c'est une recherche de quantité d'ADN dans une portion de chromosomes précise. Pour ça, on pèse le matériel génétique du patient en le comparant avec le matériel génétique d'un témoin. Il y a également l'exome. On déroule une partie de l'ADN et on se concentre sur une zone précise, un gène. On regarde s'il n'y a pas de faute dans le code. Et puis finalement, on parle du génome. Cette fois, on déroule l'intégralité de l'ADN pour voir s'il n'y a pas de faute dans le code. Et pour terminer, j'ai ajouté une fiche synthétique qui permet au patient d'avoir une vue globale de son parcours. Cette fiche résume les bases de la biologie, ce que c'est qu'une cellule, un chromosome, l'ADN, et est destinée à être donnée aux patients. Avec ce projet, j'espère aider les patients à assimiler des informations complexes, qu'ils comprennent les différentes échelles des examens et repartent en possession d'un document informatif. Merci de m'avoir écoutée.